Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Quest 9. Ah, ça fait très longtemps que je n'ai pas tourné. Et comme vous pouvez le voir, Franck est passé de troubadour à ranger. Et Céline a été échangée contre Alix, le gladiateur. J'ai été débloquer les vocations comme j'avais dit que je le ferais. Et je les ai même montées au niveau égal à là où j'étais avant. Ce qui fait que je n'ai pas fait devant vous, parce que sinon ça aurait fait énormément de boulot. Et vous vous serez énormément ennuyé. Alors, donc la dernière fois nous avions battu la Tyrantule, et par la même occasion sauvé Finefleur, et pour nous remercier, il nous avait donné un bateau que j'ai garé juste sur le côté là. Voilà. Et donc, maintenant, on n'a plus qu'à partir sur la prochaine île. Alors, on risque de se faire attaquer hein, pendant le voyage en bateau. Il n'est pas de tout repos, ce voyage. Alors là, comme vous avez vu, il y a Rivesal sur la gauche. Là, il y a la tour d'évocation sur la gauche. Non, c'était sur la droite. Il y avait Rivesal, pardon. Pour il est tard pour moi. Là, d'ailleurs, je parle pas très fort. Mais il est très tard pour moi. Donc, je peux dire des conneries à tout bout de champ. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai des nouvelles attaques, des attaques de type de flèche, hein, d'archer. Et la plus puissante est pluie de douleur, d'après moi. Pluie de douleur fait sur tout le monde comme multipoint, mais vous verrez ce que ça fait. Ensuite, avec Cathy, on va faire tir groupé, ça touche tout le monde. Et enfin, Alix a une hache. La hache fait extrêmement mal, c'est l'arme qui fait le plus mal dans le jeu, plus mélangé avec la vocation qui fait le plus mal du jeu, ça fait très très mal. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Bon, capable de paralyser. On va montrer ça. S'ils sont pas KO. Ah, il y en a un qui est plus résistant que d'autres. Ouais, bon. Je vous aurais pas montré l'attaque d'Alix. Parce qu'il a beau être très puissant, il est très lent du coup, donc bon. Alors, on va s'arrêter sur cette île-là. S'il veut bien s'y arrêter. Voilà. Et sur cette île, normalement, il y a beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, on va remplir notre bestiaire un peu avant. Il y a pas mal de choses à faire sur cette île. Qu'est-ce qu'on va faire en... Une attaque. Tac. Alors, comme vous voyez, hein, ils sont très résistants sur ces îles. Mais c'est l'île où je dois aller. C'est la prochaine mission. Enfin, elle est plus de mon niveau que les autres missions d'après, quoi. Alix, super résistant. Et super fort. Regardez-moi cette puissance d'attaque, quoi. Presque 100 points de vie d'un coup. Il fait très mal, Alix. Et Ryan passe niveau 30. Super. Et il monte pas mal d'XP, hein, comme vous pouvez le voir, les monstres sur ces îles. Et il donne pas mal de points d'argent, en plus. Et je sens que l'argent, on va trouver plein de trucs sympas sur ces... dans la prochaine ville. Alors bon, on se régalera un peu. Bon, pour un seul monstre, j'ai pas besoin de faire plus de douleur. Y'a que moi qui ai été gêné. Alors je vais le louper sûrement. Ouais. Un vil requin. Hop, c'est ça qui m'intrigue sur le côté là. Est-ce que c'est une tour où on peut monter dessus ou pas? Je m'en rappelle plus. Non, c'est juste un endroit comme ça.
Ah si, on peut peut-être monter dessus. Oh, j'explore le temps que j'y suis, hein. C'est un truc que je fais pas généralement dans les jeux. Donc j'en profite. Et les monstres qui jettent sur moi. Alors, puits de douleur. Multipoint. Tir groupé. Et des charbaches. Des herbaches. Cathy pourrait prier pour nous rendre tous nos points de vie. Même si on en a pas besoin pour l'instant. Bon, a priori, on peut pas monter sur ces montagnes, mais c'est pas grave. Je vais quand même faire le tour un peu. Parce que je sais que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. J'ai envie d'explorer le désert. Surtout qu'il y a quelque chose qui m'intéresse là, il y a des trous là-bas. Alors, est-ce qu'on peut y descendre? A priori, on peut pas y descendre comme ça. Non. Ah, mais l'entrée, elle est là-bas de toute façon. Je viens de voir l'entrée, comment on fait pour descendre en bas. Elle est de l'autre côté. Donc il va falloir y aller. Alix niveau 31 et moi je repars du mauvais côté en plus. Oh là 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 là. Il est tard. Il est très tard. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Pas grand chose, une forêt. Ouais. Il y avait qu'une forêt, une belle petite forêt de. Une belle petite oasis quoi, on va dire. En fait, je ressens pas l'intérêt de m'entraîner. C'est pour ça que je me combats pas. Les monstres, on les bat assez facilement. En perdant quelques points de vie, mais bon, ça. C'est pas un problème. Merde. Je l'ai pas évité celui-là. C'est pas grave. Hop, 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 hop. On va vite fait se le faire. La défense de malade de ce mec, quoi. Et je monte niveau 31 également. Aucun point de compétence gagné. Bon bah, tant pis. Parce que je crois pas qu'on ait débloqué les dernières attaques puissantes de nos armes. Je m'en rappelle pas parce que ça fait super longtemps que j'ai pas joué. Je me rappelais où est-ce qu'on en a été, mais c'est tout quoi. Oh, un nouveau monstre. Golem Thor. Oh. Alors, est-ce qu'ils sont puissants? Ouais, on va essayer. Je pense que le casque dentier est bon pour ça. A mon avis, c'est pas un truc hanté, mais bon, on va voir. Et le brise-casque devrait être pas mal pour lui. Est-ce que c'est un truc possédé? Non. Ça n'a rien fait. Ouf. Putain, il a résisté même à Alix, quoi. Comme vous pouvez voir, j'ai appris d'autres trucs, genre anti-sort, parce que j'en avais besoin pour débloquer des enseignements. Comme Archimage ou Ranger. Enfin, Ranger, c'est ce que je suis. Mais il y a Archimage, il y a des trucs comme ça. Et on devait faire anti-sort, vous vous souvenez, sur un petit métal, de un gluant de métal, avant de le mettre KO. Donc bon, j'ai appris anti-sort pour le faire. Pourquoi je fais une attaque normale? Moi je pourrais faire plus de douleur. Le casse dentier était pas mal. Tu veux faire... Est-ce que t'as un sort qui peut faire du mal? On va essayer. Même si je pense pas que ça marchera. De toute façon, c'est le mec KO. Bien joué, Ryan.
golem d'or, putain. Il était beau ce truc. Mais il était gros aussi. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Il n'y a rien? Ça me paraît bizarre pourtant. Et il n'y a rien. Oh punaise. Pourquoi faire un truc de ce genre s'il n'y a rien? Bon, ici il n'y a que des golems d'or. Non, ça c'est une grenouille d'artillerie, un croc artilleur. Je sais pas pourquoi je vois la couleur de l'armée, donc je me dis une grenouille d'artillerie, ouais, un croc artilleur. Bah oui. Allez, dégonfle-toi. Bon. Et là, je vais faire comme d'habitude, je vais sauvegarder un petit coup avant de reprendre pour ne pas perdre ce que j'ai fait. À tout de suite. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour perdre 10 minutes de boulot, quoi. C'est... C'est chiant que mon ordi fasse ça, je trouve, moi. Je suis obligé de faire ça avec tous les jeux, quoi. C'est... Enfin, tous les jeux venant d'émulateurs. Je me suis fait poursuivre. Je le voyais même pas. J'ai même pas fait attention, en fait. Alors, le carquoiseau devrait être assez efficace sur ça. Vu que ça a l'air d'être un oiseau. Tir groupé. On va essayer ça. Écoutez, on est là pour voir des nouveautés. Moi je l'ai entraîné, je sais ce que ça fait, mais vous ne savez peut-être pas. Ouais, c'est un oiseau. Sinon j'enlèverais pas autant. Ouais, du coup j'ai été obligé de changer de tenue, hein. J'ai pas gardé la tenue que j'avais avant. Wouah! Pas mal cette attaque. Je m'en souvenais pas. À moi qui... Je pensais à une autre attaque, moi. Ça utilise 2 points de mana, mais... C'est pas mal. Franchement. J'avais oublié à ce que... Je pensais à une autre attaque, moi. Je suis con. Je pensais qu'il arrivait et le paralysait en l'assommant, quoi. C'est tout. Je pensais pas qu'il allait faire ça. Ah ouais, je suis surpris. C'est le soir, c'est pour ça. Je vais te mettre sur tout le con du soir. Alors. Ouais, du coup, je l'ai entraîné à la baguette, Cathy. Mais ne vous inquiétez pas, c'est le bâton qu'elle utilise en ce moment. Alors vous allez dire, ouais, mais c'est cheaté, machin. Non, c'est pas cheaté parce que j'utilise pas le bâton pour la baguette pour elle. Le temps qu'elle a pas la baguette, elle peut pas utiliser les attaques de la baguette. Donc voilà. Ça fait rien. Le seul truc cheaté, c'est que bon, vu que je l'ai augmenté en tant que mage, elle a gagné des points de vie. Et de la puissance d'attaque magique. Mais sinon, il n'y a rien d'autre de cheaté là-dedans. Et encore, c'est pas cheaté parce que je l'aurais fait devant vous, mais j'ai peur que ce soit ennuyeux, donc voilà. Alors, première chose à faire, qu'est-ce qu'ils ont à vendre ici? Parce que c'est pas que j'ai du fric, mais j'ai du fric. Non. Non. Pour les archimages, ah merde. Ça aurait été pas mal. Enfin, les arts magiciens. Un bouclier magique pour Cathy, ouais. Hop. Armure magique pour Cathy. En fait, Cathy, ça va être une femme de l'Inquisition, quoi. Ça a pu être une prêtresse avec l'Inquisition, tout simplement. Par contre, moi, j'aimerais un truc pour m'habiller, mais il n'y a que des trucs pour habiller Cathy et tout ça, quoi. Il n'y a rien pour moi, il n'y a rien pour Ryan, il n'y a rien pour Alix. Il n'y a que pour Cathy. Ah,
Ah bah si, il y a des trucs pour nous quand même. Mais c'est pas énorme. Je vais prendre que pour Cathy, encore une fois. Ouais bah y a rien pour nous ici. Bon ouais, écoutez, hein, on est bien comme on est. Mais peut-être qu'un petit arc pour moi serait pas mal quoi. Par contre j'ai dépensé cher hein, déjà. Alors personne ne se bat plus à ça. Ah, matraque de force elle l'a déjà. Un jo d'entraînement. J'ai pas assez de fric. Une hache de guerre. Waouh. De hache pour Alix. Je peux pas me la prendre, mais je lui donnerai bien. Ouais bon. Moi aussi je pourrais la prendre, hein, mais je me bats à l'arc. Et toi tu veux rien de spécial, bien sûr. Le papillon. Non, tu veux rien de spécial, ok. Bon, et ben on va aller se reposer pendant la nuit. Parce que de toute façon, si je me rappelle bien, dans cette ville, on peut rien faire de jour. Si, on a un truc à faire la nuit. Excusez-moi. Pas tout de suite, pardon. Bon, en tout cas, il y a des danseuses la nuit, ici. C'est ça que je voulais montrer, sinon. Bienvenue dans le parapluie de Douadi. Alors oui, c'est de Ouadi dont on entend parler avec les pièces Douadi, les deniers Douadi, l'argent Douadi, enfin des trucs comme ça. Passez la nuit. Hop. Ah, ça fait du bien. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent me donner une quête ou un truc comme ça? On va vérifier dans les placards, on va faire plein de trucs dans cette ville. On va chercher des trucs, on va faire tout. Peut-être que je peux trouver un arc qui m'aille, quoi. Parce que cet arc, il est bien, mais c'est l'arc de base, quoi. Alors, ça vient 5 minutes. La chambre des gardes, il doit y avoir quelque chose à l'intérieur. Ah, toi tu me veux quelque chose. Jeannot? Jeannot? Bizarre, mais je prends. C'est bizarre, mais je prends. Je comprenais pas au début la quête, c'est pour ça que je l'ai lu plusieurs fois, mais ça. En fait, il va falloir tabasser des golems d'or jusqu'à temps qu'il y en ait un qui dise que c'est lui le faux golem, quoi. C'est tout. Hein, il s'appelle Médic, il soigne les plaies. C'est un médicament. Donc, voilà. Ah, les blagues volent bien, hein, il est tard. Alors, je vais me demander quelque chose, voyageur. Serais-tu prêt à m'aider pour 5 bandages crasseux à trouver 5. Ah, j'accepte, hein. Pourquoi il veut des bandages crasseux? C'est...
C'est dégueulasse, il veut soigner des gens avec. Mais non, j'irai pas me soigner chez lui, moi. Ah, un casque de cuir, ouais bon. S'ils ont que ça, ils sont très mal équipés, hein. Ils vont perdre une guerre un jour, eux. Ensuite, dans cette maison, il y a quoi? 5 pièces d'or. Ça me rembourse un côté d'une nuit. Un diadème, ok. Et là, ça va prendre quelques trucs. Alors, anneau solennel, anneau antivenin et la bague de lune. Anneau d'énergie, anneau de lucidité. Ok, on part. Ensuite, cette maison-là, ça a l'air d'être une écurie. Y'a rien. Là, c'est une étagère avec des assiettes. Toi, tu veux rien. Ok, bon bah. Désolé d'avoir détruit ton pot. Toi, tu me veux rien. Ok, bah je rentre dedans. Son histoire majesté, le roi aqueuse. Ah ouais, c'est vrai. L'histoire de ce pays est assez triste. Tout ça à cause de la reine actuelle. C'est pour ça que la reine actuelle, on va aller un peu lui secouer les puces. Et en attendant, je vais aller sauvegarder et je vous reprends. Comme d'habitude. J'ai pas envie de perdre le truc. Allez, à tout de suite. D'ailleurs, je sauvegarde devant vous, je coupe et je reprends. Comme ça, ça vous évitera d'avoir des soupçons parce que... Depuis le temps que je le fais sur Pokémon et tout ça, vous savez pas ce que je fais en fait. Voilà. J'ai rien fait entre. La musique change tout simplement parce que sinon, si je reviens tout de suite, vous allez voir un truc marqué Error 9, machin truc. Et j'aime pas que vous voyez ça. En plus, ça sert à rien. Vega, gardien d'Oadi. Donc le gardien d'ici s'appelle Vega. Diego de la Vega. Ouais bon, on va rentrer directement dans le palais. Toi t'as rien à me proposer, ok. Non. J'explore. Là, c'est pas des livres, c'est ça plutôt les livres. Ah, ça va me plaire, j'ai l'impression. Bouclier de trempassier, homme trempassier, armure de trempassier. Trempassier, genou, machin. Ok, on a toute la panoplie de l'armure de trempassier. Et une aile de chimère qui nous servira à rien. La chimie, je vous montrerai un jour ce que ça fera. Enfin, je vous l'ai déjà montré avec une herbe, mais on en fera un peu un jour. Où on aura besoin vraiment d'armure et de ça spécial. Alors là, par contre, il y a plein de livres. Bouclier enchanté, armure enchantée, du manteau enchanté. Ok. Arc long, arc de chasseur, arc de précision. Non, celui-là, c'est celui que j'avais déjà. Ça, on s'en fout, ça va rien nous donner. Mais, n'empêche que c'est le roi qui a construit tout ça. Enfin, toutes les distributions d'eau qui est en dessous le palais et tout ça, c'est le roi qui l'a construit. Enfin, l'ancien roi, maintenant c'est sa fille, et vous verrez l'histoire, elle n'est pas très joyeuse. Épée du guerrier, fleuret anti-magie, lance des sables, halbarde, baguette, de léthargie et
vrillon de à percussion. Ok, et... Oh non, n'importe quoi ça. Ok, les cuisiniers, ils veulent rien, non, pas de quête. Là, il y a quoi? Flamenca. Sorte de danse entre France et Flamenca. Mirage Mahal, vous avez lu un livre super. Suppliant quelqu'un de trouver le légendaire professeur de danse de ventre des steppes. Dilugarzar. Apparemment, il est très beau et toujours parlé de bijoux. On accepte. On accepte, on accepte. Et ça a l'air d'être bon par ici, donc on va partir de cette salle. Par là, il n'y a rien. Par là, il n'y a rien. Ok. Et là, c'est le centre de là où on vient. On va monter. Oh, il y a Sa Majesté. Non. Non, il n'y a pas Sa Majesté. Vous êtes voyageur. Qu'est-ce qui vous amène au Mirage Mahal? Le palais de la glorieuse Indwadi? Vous recherchez un fruit d'une teinte dorée? Un marchand en a offert à Sa Majesté il y a quelques jours. Mais elle n'accordera pas d'audience au premier vagabond qui passe. Pardon, mais je ne peux pas vous autoriser à l'avoir. À moins que... Voyageur, notre palais est en train de connaître une grave crise en ce moment même. Si vous nous aidez à la résoudre, je pourrais peut-être faire en sorte que vous obteniez une audience. Eh bien, accéderez-vous à ma requête? Oui. Évidemment, si je rencontrais la reine, de toute façon... Acceptez. Voilà une excellente nouvelle. Laissez-moi vous faire part du détail. Cet écervelé de Rinette a égaré Sa Majesté le lézard de couleur or. Ça m'a sécheté. Ça m'a sécheté. Oh. Oh là 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 là. Lézard couleur d'or, choyé par Son Altesse. Dites-moi, pourrions-nous compter sur votre précieuse assistance afin d'appréhender le reptile errant? Oh, excusez-moi, il est tard. Miette fouille en ce moment dans les couloirs de l'étage inférieur. Si vous acceptez de nous aider, le mieux c'est de vous adresser à elle. Sa Majesté est une importance capitale aux yeux de Son Altesse. J'espère que nous pouvons... J'appuie sur A sans faire exprès. Toi tu as rien. Là y a rien. Aucun livre. Ok bon, on s'en fout. Deux pièces d'or. Et ici ça va être quoi, la chambre de la reine? Ouais, ça a l'air d'être ça. Paire de chaussettes hautes et une tenue voyante. On pourra vendre tout ça. Ça nous rapportera de l'argent. Ensuite, il n'y a rien d'autre. A priori, on a juste à monter là. Je sais que la suite de l'histoire sera pas là, hein, pour ceux qui connaissent. C'est juste que là, il y a un gars qui m'intéresse. Les paladins sont fiers, sont de fiers chevaliers qui rêvent une solide armure afin de protéger la vie de leurs camarades bien-aimés. Seul un proche chevalier que nous sommes peut maîtriser les vertus sacrées d'abnégation et d'altruisme. On dirait que tu remplis les critères pour accéder au rang de paladin. Très bien. Je suis Brunehild, paladin et fier de l'être. Les paladins peuvent abriter les âmes des défunts et ont leur propre corps. Mais avant de t'en dire plus, je dois te mettre à l'épreuve.
Va dans le désert et prouve que tu peux protéger tes compagnons. Utilise 10 fois l'attitude bouclier humain sur toi. Fais cela et la voix du paladin s'ouvrira à toi. Acceptes-tu de subir cette épreuve? Bah oui. Oh le bâtard. Donc ça veut dire que j'ai trop de tâches sur moi. Comment on fait déjà? Ah oui, c'est comme ça. Toi qu'on appelle le bien nommé, tu as déjà une belle série de distinctions. Tu me feras une liste d'un de ces jours. Plus de 10 distinctions. Ah bah oui, vu que je suis monté de niveau avec le... en mage et tout ça. Truc que je remettrai plus jamais. Hein. Bah, j'ai obtenu plusieurs distinctions. Liste des quêtes. Qu'est-ce qu'on pourrait abandonner? C'est une quête super simple. Je pourrais même aller la rendre tout de suite. Mais bon, j'ai la flemme. Et là, on peut lui parler. Bon, maintenant qu'on a lu hein, ce qu'il allait nous dire, je peux passer vite. Hop. Même si le paladin, du coup, je peux pas l'utiliser tout de suite parce que bouclier humain, c'est en guerrier que tu l'apprends. Je crois que je te vois pas là. Brunhilde, tu ne comptes quand même pas faire de cette chef molle un paladin. Tu as perdu la boule. Je t'avais bien dit de ne pas venir ici sans ma permission, Follet. Approche tout de suite. Désolé. C'est juste que je sais reconnaître une mauviette quand j'en vois une. Ne viens pas te plaindre s'il te lâche. Ce que tu as vu est une des âmes dont j'ai le contrôle. Une âme insolente, mais une âme excellente. Un fidèle compagnon. Je me demande de quel genre d'âme tu le domineras. J'ai hâte de le savoir. Ok. Bon, on va aller chercher sa massècheté. Hein, comme ils disent. Et je pourrais ouvrir ce coffre après en revenant ici. Alors, je crois que pour sa massécheté, il faut faire un truc du genre ça. Voilà. Parce que ce lézard a horreur du bruit. Et maintenant, il va falloir que je le chope. Et maintenant que je l'ai chopé, les amis, il est l'heure de se dire au revoir, mais on se verra au prochain épisode, ne vous inquiétez pas. Donc, je vous dis à tous, ciao, à plus, et vivement le prochain épisode. Allez, salut à tous, et au prochain épisode, on avancera, je vous le promets.